Votre attention, s'il vous plaît, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous sommes actuellement à 8000 mètres de profondeur. Si vous regardez à bâbord, vous pourrez voir une profonde obscurité. Cependant, si vous vous tournez de l'autre côté et que vous regardez à tribord, vous aurez la chance d'entrevoir l'obscurité la plus totale. L'obscurité la plus totale. On est bien avancé avec ça. Oh, c'est très joli. Qu'est-ce que c'est, Docteur Fisher? Je vous en prie, appelez-moi Fish. C'est une espèce dont on ne sait pratiquement rien, qui a été répertoriée il y a plusieurs centaines d'années. Mais malheureusement, on n'a jamais trouvé le moindre spécimen. C'est parce que c'est un mythe, ça n'existe pas. Nous avons rempli une centaine de missions de sauvetage et chaque fois, il croit qu'il va en voir un. C'est bien de croire en quelque chose même si cette chose n'a pas encore été prouvée. Le célèbre physicien Albert Einstein a dit un jour « Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est seulement que je réfléchis au problème plus longtemps ». Il ne parlait sûrement pas d'un poisson. Oh, mais ça s'applique à tout ce qui existe. Le meilleur moyen d'échouer, c'est d'abandonner. Où est votre second, capitaine? Oh. Mais oui, vous pouvez défiler en mon honneur, ce sera génial. Qui cherche la bagarre? Non, je suis aveugle. Ah, je suis désolé, Lance. Je t'ai fait peur. Oh oui, c'est ça. Je n'ai peur de rien, vous le savez bien. En fait... Debout, espèce de larve! À vos ordres, capitaine! Mais bon, d'accord, ça va. Là, j'ai eu peur. C'est à cause de mon bandeau, pas vrai? Ouais, ça aide. Mais où est passée ma table de réunion? Quelqu'un a dû la transformer en lit. Il y en a qui sont vraiment gonflés. Bien, puisque tu as enfin fini ta nuit, j'aimerais te présenter le professeur Samantha Rodd. Oh, salut, Sam. S'il vous plaît, appelez-moi professeur. Second Lance Spears, scaphandrier et spécialiste de tout ce qui peut faire boum. Oh. Voilà. Oh, je sais qui vous êtes. Vous avez été choisi pour cette mission parce que vous êtes le meilleur. Une base sous-marine a été construite au fond de cet océan pour rechercher des, disons, des antiquités. Le mois dernier, une secousse sismique a failli tous les tuer. Par miracle, ils s'en sont sortis. Mais la base, elle, a disparu. Rien ne disparaît vraiment. Si elle est toujours dans le coin, nous la retrouverons. Eh bien, ce ne sera peut-être pas aussi facile. Vous voyez, cette base a été construite pour explorer la piste de l'une de mes théories. La légende raconte qu'il y avait une île au milieu de l'Atlantique. Attendez une seconde. Un professeur, une projection de diapo, ça me rappelle l'école. Je détestais l'école. Tais-toi, Lance. Hein? Hein? La légende raconte donc que cette île abritait la fabuleuse cité de l'Atlantide, dont les richesses dépassaient notre imagination. Ses murs étaient faits de métaux précieux. Son architecture était si avancée que certains vont jusqu'à penser qu'on ne les a toujours pas égalés depuis. Mais l'activité volcanique de cette région fut à l'origine d'un gigantesque raz-de-marée. L'île tout entière fut avalée par les eaux en ne laissant aucune trace derrière elle. Jusqu'à maintenant, admirez la carte de l'Atlantide. Ça ressemble pas à une carte. Vous aviez dit que c'était une mission de sauvetage, pas une ridicule chasse aux dahus. Si je vous avais dit ça, vous n'auriez jamais accepté de faire cette mission. Personne ne croit à son existence. Sur ce point, vous avez raison. Avec tout le respect que je vous dois, professeur, nous sommes une équipe de sauvetage. Nous portons secours tout en espérant trouver un trésor sur notre chemin. Cette carte nous permettra peut-être de découvrir le plus grand trésor de tous les temps. Quelque chose approche. Ah! Attention! Oh, c'est très gros et ça se rapproche. Nous allons entrer en collision. Accrochez-vous. Un crabe géant! Peut-être qu'il ne nous verra pas. Il n'a pas besoin de nous voir. Je crois qu'il sent notre présence. Thank you.
épave. Oh, c'est un sous-marin de la base. Capitaine, il revient. Lens, tu prends les commandes. Je vais aller pêcher le crabe. Je crois qu'il était chargé de protéger ça. Lance, tu as bien réparé le câble ? Je savais bien que j'avais oublié un truc. De profondeur. Mais c'est impossible! Personne ne s'est jamais aventuré aussi loin sous la surface. En fait, aucune carte n'a jamais répertorié une telle profondeur. Part celle-ci. Et si je comprends bien le fonctionnement de cette carte, il doit y avoir un cristal pour chaque côté de la pyramide. Le premier était à la porte d'un autre monde. La porte, c'était le volcan. Il reste 3 cristaux. Trouvons-les et nous trouverons l'Atlantide. Mais nous n'allons pas nous mettre à leur recherche. Si, on va... Capitaine. Pas dans ce sous-marin, il y a trop de dégâts. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Une bonne équipe de sauveteurs a plus d'un sous-marin dans sa poche. Et nous sommes les meilleurs. Prenez une trousse à outils. On a des trucs à construire. Je vais vous montrer ça. Oh, magnifique. Ah. Joli travail. J'ai toujours rêvé d'en construire un. Pensez quoi? Il est très beau. Je le prends. Attendez, où est le mien? On a besoin que tu sois mobile. Tu es le meilleur plongeur. Vous avez entendu? Je suis le meilleur! Mais mon sous-marin est plus grand. Ces signes nous indiquent la direction à suivre. Allez, on y va! Hé, c'est moi qui donne les ordres ici. Bon, allez, on y va. Les hommes. Thank you.
c'est ça l'Atlantide, je veux être remboursé. Regardez, ces signes sont identiques à ceux de la carte. Qui a bien pu construire ça? Peut-être cet homme pieuvre qui nous menace avec sa fourche. En fait, c'est un trident. Oh, un trident. Je me suis un peu inquiété pendant une seconde. Maintenant, on peut s'inquiéter. Non. Il faut leur faire savoir que nous ne leur voulons aucun mal. Nous voulons qu'ils nous invitent chez eux. Et quand on veut être invité chez des gens, il faut se présenter, pas vrai? Ça dépend de la tête des gens. Bonjour! Nous venons en paix! Nous sommes à la recherche d'un cristal. Donc, si vous pouviez nous indiquer le chemin... Prenez garde aux intrus! Fiche, sortez de là! Elles sont inoffensives. Inoffensives? Comme ça. Un requin! Vous avez un scaphandre en rab là-dedans? Oh, c'est pas bon! Mais il a rien ton œil en fait.
J'ai jamais prétendu avoir un problème à l'œil, mais je trouve qu'avoir un bandeau, c'est cool. Et j'allais le récupérer. Il faut qu'on le suive. S'il se perd, on ne va jamais pouvoir le retrouver. Du calme. Tous les sous-marins sont équipés d'un traceur. Là. Ah, on a cru qu'on t'avait perdu. Vous en avez mis du temps. Bien joué, capitaine. Eh, moi aussi je veux un bandeau de pirate. Alors là, je ne comprends pas. Nous avons trouvé tous les cristaux. L'Atlantide devrait être ici. Ce n'était peut-être qu'une légende, finalement. Vous pensiez qu'elle était là? Alors on va la trouver. Parce que je crois en vous. Vous faites partie de l'équipe maintenant. Merci. Messieurs, les cristaux ne nous amènent pas à la clé de l'Atlantide. Ils sont la clé. Mais il nous en manque encore un! Il était juste sous notre nez. Ça sonne plutôt bien, non ?
maison. Sous-marin sauvé. Le professeur Rhodes rejoint l'équipe de la mission Atlantis. Les héros de l'équipe de sauvetage. Yeah.